Salut la compagnie, ici Marco, et on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour parler du chapitre numéro 125 de Promised Neverland. Alors là, il se passe plein de choses hein, en ce moment, entre les annonces qu'on a eues, enfin les informations qu'on a obtenues au travers de Norman, et puis là, l'idée de l'Alliance, là, parce qu'on avait fini là-dessus au chapitre précédent, je me posais plein de questions, hein. On le voyait arriver devant des démons, dire il est temps de commencer la réunion, ou je sais plus comment il disait ça, et vraiment, tu te dis... Waouh! Waouh, waouh, waouh! Il y a vraiment des démons qui sont contre leur propre collègue, leur propre démon. Et en fait, en y réfléchissant bien et en voyant ce chapitre 125, je me suis dit, bah en fait, c'est tout à fait normal. Regardez dans la communauté humaine déjà, enfin, même dans notre monde, hein, on a des gens qui sont contre les uns les autres, même s'il y avait un ennemi commun, à mon avis, qui est censé nous rassembler. Parce que vous connaissez tous le principe, hein. Je veux dire, dans les moments de crise énorme, on s'unit tous contre un ennemi commun. Je suis pas convaincu que ce soit le cas des 6 milliards d'êtres humains sur Terre. Enfin, maintenant, on n'est pas loin de 7, si je dis pas de bêtises, mais là, c'est pareil. Tu te dis, les démons, ils vivent tranquillou dans leur coin. Si ça se trouve, il y a des mésententes entre eux, et c'est bel et bien le cas. Alors, au début, je m'inquiétais un petit peu, parce que je me suis dit, ça y est, ils ont croisé des, des démons véganes qui mangent pas d'êtres humains, sauf que on est toujours convaincu que si jamais ils veulent conserver leur forme plus ou moins humaine, bah, ils sont obligés d'en manger, hein. Ce qui permet de se poser toujours la question à propos de Musica et de l'autre, là, qui ont une forme humaine, alors que eux, de ce qu'ils disent en tout cas, hein, parce qu'on va pas non plus les croire sur parole, ne mange pas de chair humaine, quoi. Là-dessus, on y reviendra peut-être un jour, hein. On aura d'autres infos, parce que si Ray et Emma y ont réfléchi, et qu'à mon avis, ils vont poser la question à Norman la prochaine fois qu'ils les voient, ça me paraît évident, forcément, on aura des réponses à ces questions-là. Et puis on aura le point de vue de Norman. Mais là, quand on voit Norman qui débarque devant eux, on apprend tout simplement que, visiblement, c'était un camp qui régnait plus ou moins, à mon avis, sur les démons, et que... Je pense, hein, après, ce ne sont que des supputations, j'imagine qu'il y avait une guerre comme ça, que lui était plus ou moins le leader des démons à l'époque, et qu'à mon avis, il y a eu un pacte pour cesser le feu, quoi, entre certains démons et les humains, et dans ces cas-là, bah, ils ont réussi à destituer le mec, parce que les familles de nobles se sont associées, elles ont dit, vas-y, on en a marre de la guerre, casse-toi mon pote, et puis à la place, on va faire ce système d'humains qui vivent dans leur coin, nous on vit dans notre coin, on permet de faire des fermes d'humains, et on arrête la chasse, et voilà, donc casse-toi tu pues. Enfin, c'est ce que je pense qui s'est passé personnellement. Et quand on voit là, la pseudo-alliance que Norman il est en train de faire avec eux, tu te dis, mais en fait c'est la même chose que ce qu'il y a avant. Parce que lui, il arrive, il dit, salut, faisons un pacte ensemble, vous laissez tous les gens qui sont actuellement du bétail libres de s'auto-gouverner, en gros, ils acceptent et ils tolèrent les humains, et en échange, vous avez qu'à prendre le clan, là, qui avait passé un pacte avec les anciens, là, et qui est allié avec eux actuellement, et vous les élevez, vous faites ce que vous voulez, on n'a rien à faire, quoi. Et tu te dis, c'est quoi la différence entre ce qui est actuellement fait et ce que toi, tu proposes, Norman? Et dans l'idée, je me suis dit, non, c'est pas possible. Norman a dû changer, c'est clair, depuis toutes ces années. Mais pas à ce point-là. Pas au point de vouloir refaire exactement la même chose. Ça apporterait quoi, en fait? Ce serait juste des humains différents qui seraient dans les fermes, mais sinon... On aurait la même situation avec des humains qui vivent peinards dans leur coin, qui ferment les yeux sur ce qui se passe du côté des démons, et les démons qui continuent à élever des humains, hein. Peu importe l'origine, si je puis dire, je veux dire. Si ça se trouve, il pourrait se passer la même chose, enfin, il s'est peut-être passé la même chose il y a 700 ans ou il y a 1000 ans, et Norman, il est issu d'un clan que les humains pouvaient pas piffrer, c'est pour ça qu'ils ont fait une alliance, etc., etc. Donc tu te dis, c'est vraiment pourri de faire ça. Et en fait, eh ben non. Je veux dire, Norman, il fait ça, mais il a un plan derrière la tête. Il ment tout simplement à ce démon-là. Son objectif, c'est tout simplement de voir les démons s'entretuer, en fait. Et visiblement, il est au courant que de l'autre côté, le démon aussi, il cache son jeu. On le voit, je pense qu'il a... Enfin, si le flashback est bon, là, la petite image qu'on voit, si c'est vraiment le mec qu'on voit après, il a considérablement changé physiquement. D'ailleurs, je crois que Norman le dit, hein. 700 ans à pas bouffer beaucoup d'humains, ou à zéro humain, je sais pas... Ça l'a fait vachement régresser, hein. Tu vois, il a des antennes d'insectes dans la bouche, il est vraiment moins proche d'un humain que ce qu'il devait être à l'époque. Enfin, si le flashback est vrai, il est beaucoup moins proche d'un humain de ce qu'il était à l'époque, quoi. Et tu vois que lui aussi, il va pas respecter la parole, là. Il est là, il lèche carrément le traité de paix qu'ils ont signé, en disant « Hum, il a bon goût ». Et de ce qu'on comprend, comme Norman le pense, l'objectif de ce, on va l'appeler le roi, là, eh ben, c'est tout simplement de pouvoir... manger la cervelle de Norman, quoi. Et d'ailleurs, c'est intéressant la réflexion qu'il y a derrière de la part du démon. Parce que le mec, il dit
clairement, Norman, là, il a caché son coup. Et quand on regarde un petit peu, enfin, quand on réfléchit, il y a quelques années de ça, il y a des gens de Grassfield qui se sont échappés. Et il y avait trois mecs qui étaient vraiment très intelligents dans l'eau. Et il fait probablement partie de ces trois personnes. C'est une des trois, quoi. Et vraiment, là, je me dis, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que là, on est en train d'arriver dans un truc qui est vraiment très intéressant. Parce que on a des humains qui vont affronter d'autres humains, parce qu'à mon avis, le clan Raito, si je dis pas de bêtises, il veut pas être forcément d'accord pour que on essaie de rompre le pacte actuellement. De l'autre côté, les démons, ils vont également affronter les autres démons, quoi. Donc on va avoir une guerre ouverte, sachant pertinemment que Norman va essayer de trahir ses alliés et que les démons alliés vont essayer de trahir Norman et ses alliés. Je veux dire, c'est vraiment intéressant, je trouve, ce cas de figure-là, parce que, du coup, tu ne peux pas anticiper ce qui va se passer dans le manga. Est-ce qu'à un moment donné, il va y avoir une situation dans laquelle les démons vont être dans la merde et où Norman va essayer de finir le boulot? Et de la même façon, est-ce que Emma va laisser faire tout ça? C'est pas possible, sachant que Emma, elle a des rêves plein la tête, quoi. Elle veut absolument que tout le monde vive en harmonie, les petites fleurs, les petits oiseaux, tout va bien. Et c'est évidemment, évidemment pas possible que ça se passe comme ça. Mais elle, elle espère. Donc non seulement il y a le clan des démons et des humains Raito, là, si je dis pas de bêtises. De l'autre côté, il y a les démons alliés à Norman. Il y a également un autre clan avec Norman. Et puis, visiblement, il y aura des tensions, à mon avis, du côté de Norman, avec Emma, qui ne sera pas d'accord avec ces faits. Et donc, il y a tellement de champs de possibilités actuellement dans ce manga-là que je trouve vraiment que c'est énorme. Ça me rappelle beaucoup, et encore une fois, on fait une parallèle. Beaucoup de gens l'ont fait, hein. Je ne suis pas le nouveau, je ne vais pas révolutionner le game, hein. Mais c'est clairement, ça me fait vraiment penser à ce qui se passe actuellement dans SNK, quoi. Clairement, les frontières entre les différents camps sont en train de s'éroder clairement, là. Tu ne sais pas ce qui va se passer, je ne vais pas en parler ici pour ne pas spoil ceux qui lisent pas SNK, mais tu ne sais pas s'il n'y a pas un mec qui va changer de camp, s'il y a un camp qui va s'allier à un autre, si des alliances vont se casser. Vraiment, c'est super intéressant. Et là, j'ai vraiment le sentiment de retrouver ça dans Promised Neverland. Et moi, ça me vend du rêve. Honnêtement, là, je suis impatient de savoir la suite des événements, comment Emma va réagir à tout ça, parce que j'imagine que là, dans les chapitres qui vont venir, on va forcément voir Norman rentrer au camp et Emma discuter avec lui et Ray, hein, de toute façon, à propos de ce qu'ils avaient dit il y a 2-3 chapitres, notamment à propos de Musica. J'imagine que ça va jamais faire changer le plan de Norman, hein. Il est parti sur un truc, il ne veut absolument pas changer, mais tu vas forcément avoir des dissensions. Peut-être que Emma et les autres vont quitter la zone où laquelle est Norman, histoire d'essayer de faire un autre, de trouver une autre solution un peu plus pacifique, j'en sais rien. Mais en tout cas, là, vraiment, il se passe des trucs de ouf dans ce manga-là, qui est vraiment phénoménal, hein. Je suis content que l'anime marche aussi bien, parce que j'espère qu'après, ça va permettre aux gens, à la fin de la saison 1, de rejoindre l'équipe manga, la team manga, quoi, et d'apprécier autant que nous, on apprécie le manga, parce que je trouve qu'il est vraiment sous-coté. Quand je me balade sur YouTube et que je cherche des youtubeurs manga qui parlent de Promised Neverland, c'est un peu la dèche quand même, hein. Un peu comme SNK, je trouve qu'il n'y en a pas assez. SNK mériterait beaucoup plus de visibilité sur le net, quoi. Et Promised Neverland, eh ben pour moi, c'est pareil. C'est un manga qui est exceptionnel, peut-être moins actuellement qu'SNK, on verra à terme, mais qui mérite vraiment d'être plus mis en avant, tout simplement, quoi. Et j'espère que avec la qualité qu'on a ici, eh ben ça va permettre au manga de gagner encore de la popularité. Et on verra ça bientôt, mais en tout cas, là, moi, je suis impatient de voir la suite. J'ai eu ici un très très bon chapitre, et j'ai vraiment hâte, hein, comme je le répète au moins 10 fois, de voir ce qui va se passer dans les prochains chapitres. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais à dire à propos de ce chapitre, hein. J'espère que ça vous a plu. Vous avez dû le remarquer, hein, je ne fais pas de review chaque semaine, parce que j'ai vraiment l'impression que la hype autour de ce manga, elle est beaucoup plus faible que ce que je pensais. Je veux dire, je suis pas en train d'essayer de chercher absolument un nombre de vues, mais c'est vrai que quand je passe des heures à faire des vidéos, à les monter, à les tourner, à chercher une miniature, parce que c'est jamais facile de faire une miniature quand on se base sur un manga exclusivement, hein. Quand c'est un animé, c'est facile, tu prends un screen et puis voilà, c'est parti. Là, le manga, c'est hyper compliqué, donc c'est vrai que je passe souvent des heures et des heures à travailler sur Promised Neverland, à partager ma passion. Et c'est un petit peu démotivant des fois quand tu vois que tu fais 500 ou 600 vues. Donc c'est vrai que du coup, je suis moins... j'ai envie d'en faire, mais en fait, à chaque fois que j'en fais une, je suis un petit peu déçu du résultat. C'est pas que je regarde à chaque fois les chiffres de vues, mais c'est vrai que je me dis, est-ce que c'est bien que je m'acharne à faire du Promised Neverland? Et est-ce que vraiment il y a autant de gens que ce que je pense qui suivent le manga? Et si c'est le cas, les gars, si vous avez envie que je continue les reviews Promised Neverland, là, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo pour faire connaître ce fabuleux manga aux autres, hein. Si vous avez envie, je peux continuer également de parler de l'animé, si ça permet de le mettre en avant et de le rendre un peu plus populaire. Je dis pas ça, mon objectif, c'est pas de gagner des vues, c'est pas de gagner forcément des abonnés, même si ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui me suit, pardon, et je vous en remercie. Mais mon objectif, c'est uniquement de voir que
un manga que j'apprécie énormément, et ben j'arrive à le partager aux gens et j'arrive à leur faire découvrir ce fabuleux manga et qu'un jour en commentaire ils me disent « Merci Marco, tu m'as fait découvrir Promised Neverland et j'en suis très heureux » comme c'est le cas pour certaines personnes, pour Nanatsu no Taizai, pour SNK et tout. Donc vraiment, moi, tout ce que je souhaite, c'est que ce manga soit encore plus populaire. Donc allez-y, partagez la vidéo, commentez, mettez des likes, faites tout ça, tout ce qui est possible et imaginable pour permettre à ce manga d'être encore plus populaire, en France en tout cas, hein, je sais pas comment ça marche dans le reste du monde, mais allez-y. Et puis bien entendu, si vous avez 30 secondes devant vous, n'hésitez pas à aller sur mon lien Utip, hein, ça me fait toujours plaisir quand vous êtes prêt à sacrifier 30 secondes de votre temps pour m'aider financièrement. Et puis quant à moi, bah, je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, bah, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss !